Il y a quelques semaines, nous avions différencié les notions de charge externe et charge interne. Quels sont les outils qui permettent d'évaluer la charge externe? On voit ça aujourd'hui en moins d'une minute. Bienvenue dans Prépa et Performance. La charge externe peut être considérée comme la dose prescrite lors de la séance d'entraînement. En clair, ça correspond à l'intensité de l'exercice. Mais la déterminer avec précision est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Essayer de mieux comprendre cette intensité est l'une des problématiques majeures du domaine de l'entraînement et va permettre de plus facilement la programmer, la comparer et la faire évoluer. Pour ce faire, il existe différents outils dans le domaine sportif qui évaluent les facteurs mécaniques comme les accélérations, la vitesse de déplacement ou la puissance générée. On retrouve les GPS, de plus en plus précis, et qui équipent les montres cardiofréquence-mètres, les capteurs cyclistes ou encore les gilets en sport collectif. Cette technologie est souvent associée à celle des podomètres qui permettent de connaître le nombre de pas ou de foulées réalisées durant une séance. Également, les capteurs de puissance se démocratisent de plus en plus, permettant d'estimer l'intensité de l'effort en cyclisme ou en course à pied. De la même façon, on retrouve les encodeurs linéaires et les accéléromètres dans le milieu de la musculation. Nous avions déjà discuté plus précisément des accéléromètres dans une vidéo dédiée. Enfin, le tracking vidéo est également beaucoup utilisé pour tenter de quantifier l'effort lorsqu'il est réalisé dans un espace fermé, comme un terrain en football ou handball par exemple. Aujourd'hui, les résultats les plus utilisés à haut niveau sont la charge mécanique, la distance totale parcourue et la distance parcourue à haute intensité. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette courte vidéo vous permettra de mieux connaître les outils d'évaluation de la charge externe. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement, et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut !